Bon, regardez les amis. Alors là, franchement, je crois qu'ils nous suivent. Hein. Je crois qu'ils nous suivent. Au Portugal, ils y étaient. En Espagne, ils y étaient. Et en France, eh ben, ils y sont encore. Voilà. C'est pas possible. Hein. Ce soir-là, Christian a eu l'idée de faire une soirée crêpe. Donc chacun faisait la sienne. C'était plutôt sympathique et on s'est bien régalé. On a même eu la visite d'un super-héros, Capitaine Falcor. Il était d'ailleurs très content de retrouver la Goliath Family, il les adore vraiment. Et bonjour les amis! Bah écoutez, je vous retrouve toujours voilà, chez Christian, avec nos amis. La Goliath qui s'est installée là-bas. Il y a Régine, il y a Patrick, il y a Gwendal aussi. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va partir tous ensemble à vélo. On va prendre les vélos et puis on va aller aux étangs de Guen, qui sont pas très loin. Et comme ça, en plus, il y a un vide-grenier aujourd'hui. Voilà, donc on va aller voilà, se balader un petit peu tous ensemble, ça va être sympathique. Hier, avec Yvette, on est parti avec la Goliath faire quelques courses. On est passé à Action d'ailleurs. J'ai repris des petites hausses comme ça là, que j'ai trouvées. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Je voulais vraiment des vraies hausses, mais ils n'en avaient pas. Donc j'ai pris voilà, des petits os comme ça. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il y en a un pour Falcor, pour Iki, pour Maya et puis pour Jump. Puis je me suis pris aussi une petite prise USB là parce que c'est vrai que l'autre était en panne. Ça ne marchait plus trop comme ça. C'est pratique pour recharger les téléphones. Allez, je vais ouvrir ça puis je vais leur donner. C'est vrai que ces derniers jours, je n'ai plus trop filmé. Bah, en fait, je profite de mes amis tout simplement. Et bah, je pense pas forcément à tout filmer ce qu'on fait, mais on passe vraiment de bons moments ensemble, de bonnes petites soirées. Et donc bah, aujourd'hui, je me suis quand même décidé à sortir la caméra et à vous filmer un petit peu bah, la balade du jour, parce que c'est vrai que c'est assez joli, je suis déjà allé plusieurs fois là-bas. Et vous allez voir, c'est vraiment des étangs, bah, c'est tout aménagé pour les pêcheurs, il y a des cabanes en bois, il y a vraiment... Enfin, c'est très joli. Donc je pense que ça va plaire aussi à Ninon. Il y a plein de sculptures en bois, tout ça, des petits jeux. Voilà, donc on va en profiter encore aujourd'hui. Et pour commencer, on va déjà donner les nounous. Et gros toutou qui est en plein milieu du champ, là. Tranquillou. Voilà. Un petit camp de manouche, ici, là. Hein? il a vu ce que j'avais dans les... Hein? T'as vu que j'avais ce que dans les mains, là? Qu'est-ce que c'est que j'ai dans les mains, gros toutou? C'est pour toi? Ouais? Allez, tiens, t'en prends un. Je vais te donner à tes copains aussi. Hein? Il y a Ricky qui est là. Hein? Bah ouais. Petit Ricky, il va nounous? Tiens, c'est pour toi. Voilà. Distribution aujourd'hui. C'est le Noël pour les chiens. Tiens, Maya. Maya. Voilà, petite surprise pour toi aussi. C'est à porter. Oui, c'est quoi ça? Il n'y a pas de jaloux. Oula. Tiens, prends celui-là. C'est bon. Hop. Ah, pas de jaloux, il y en a un chacun. Ouais. Bonjour, Christian. Bonjour. Oh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bah oui. Là, je suis arrivé, j'ai même pas filmé, tu vois. Ouais, c'est pour ça que t'as moins de vues, hein, en fait. Bah oui. Moi... Je pense. Hein. Je pense. Bah oui. Bienvenue à tous. Hein. Bah ouais. Ouais, ça fait très très plaisir. Bah, c'est sympa, en tout cas, chaque fois tu nous accueilles tous, là, c'est vrai que c'est... Ouais, mais... Je disais que ça fait un petit camp de manouches. Hein. Bah, ça fait un petit camp de manouches. Ouais, il y a du belge, on a du belge cette année. C'est des manouches belges. On les aime bien. Bah oui, on les aime bien. Ouais. Bon, tu me permets, comme je te disais, je vais donner ça à Jump. Ouais, on va demander son avis quand même. Bah, je pense qu'il va pas... Ouais. Je pense qu'il va être d'accord. Jump, c'est pour toi, ça? C'est pour toi? Ouais, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, ça a l'air. Ouais. Il n'y a pas de jaloux, comme ça tout le monde a eu le sien. Bon, bah allez, c'est parti, en route. Ça va, Gwendal? Ouais. Hein? Je ne pisse pas ce truc. Prendre le coup de main. C'est dur, caméraman, comme métier. Ouais,
Alors, on est en train d'arriver tout doucement. On va passer dans la forêt. Ça va être plus agréable que sur le bitume. Ah, on y est. On voit qu'il y a le stand qui est déjà installé là-bas. Bon, on a accroché les vélos là-bas tous ensemble. Et du coup, eh ben, on va pouvoir se balader un petit peu à pied. Voilà. Une tondeuse à cheveux. Ça sera pas pour moi, ouais. Peut-être pour Julien. Comment ça c'est... Voilà, il y a plein de voitures. Je pense que mon fils il aurait été content d'être là. Ah, bah Ninon, ça y est, elle a réussi à voir quelque chose. Un petit poney. Non, c'est quoi? C'est un cheval? Un euro. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est pour les assembler. Pour les assembler. Ah, je vais maintenant. T'es contente? Oui. Ouais. Ah, t'es trop sympa, ils ont même mis un toutous bar. Une tiare à la buvette, hein? Bah ouais. On va installer une petite buvette, là. Super sympa. Allez, mais on va continuer la petite balade dans la forêt maintenant. La cabane du pêcheur. Ouais, oh, c'est joli. Ça traîne derrière. Oui, bien sûr. Mais c'était il y a 2 ans déjà. Et là, on arrive à la ruine. Donc, c'est quoi déjà comme ruine, ça? Je me rappelle plus. C'est une ferme. C'est une ferme. Une ancienne ferme. Ah oui. Ah. C'est pas moi qui l'ai construit. C'est pas toi qui l'as construit. Non, c'est pas moi. On était deux sur le devis, tu vois, puis j'ai pas eu le devis. Waouh, ouais. Trop beau! Là, c'est plus grand chose. Et puis là-bas, regardez. Petite balançoire. Putain, Nino et Joe est occupé. Avec. On est pas mal ici, là. C'est pas mal, hein. Tu veux une petite bière? Une petite bière avec. Là, c'est bien les Belges, ça. Hein. Ils ont toujours des bières dans leur sac. Toujours des bières dans le sac. Et en plus, des bières espagnoles. Ah bah oui, hein. Ça rappelait des bons souvenirs, ça. Elles sont collées comme bien. Avec la chaleur, elles sont collées. On va boire les 6 d'un coup. Merci, monsieur. Ah, c'est vraiment super agréable parce qu'en plus, on a le soleil qui est sorti. Regardez-moi ça, sous les arbres. Ah, cette petite forêt elle est vraiment sympa avec les petits étangs à côté. J'ai une araignée. Ah non, c'était E.T. Ah non, hein. Ah, Gwendal qui nous fait du tout terrain. Bon bah écoutez, on va rentrer doucement, franchement, bonne petite balade, c'était super sympathique.